Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 30 août 2021, direction l'hippodrome de Dieppe pour le prix de la région Normandie, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Il ne faudra pas arriver en retard car il n'y aura aucun temps mort tout au long des 1100 mètres en ligne droite de la piste diepoise. Nos sprinteurs se livreront une lutte sans merci lors de ce tournoi handicap offrant une somme de 25 000 euros aux lauréats. Reste maintenant à faire les bons choix. Voici le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 1, Mouba Aleg. Ce pensionnaire de Jean-Vincent Tout sera monté pour la circonstance par un certain Christian Demureau. Avec 64,5 kg, soit 3,5 kg de plus que le numéro 2, il n'aura pas la tâche facile, mais compte bien jouer un drôle de tour à ses rivaux aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 5, Satisfied. Stéphane Vatel est un maître entraîneur dans les handicaps et il compte sur l'aide de son premier jockey Théo Bachelot pour l'amener au succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Tout d'Aubem. Ce honk de 5 ans, expérimenté et très régulier, devra encore apporter une vive satisfaction à son entraîneur, Mathieu Boutin. En quatrième position, viendra le numéro 4, Milord Song. Troisième récemment sur cette même piste, il sera une nouvelle fois monté par Christophe Soumillon pour ses débuts dans les handicaps. Avec des œillères pleines, il doit théoriquement terminer dans les 5. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Toishk. Il va s'essayer sur une très courte distance, mais avec l'as à la corde, il est capable de réaliser un numéro. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 10, Ray Steve. Elias Mikalides, son mentor, l'aime beaucoup, et même si le numéro 16 tout en dehors est un désavantage, il compte bien en faire un avantage et remporter cette compétition. En avant-dernier choix, le numéro 11, Excalibur. Mauricio Delcher Sanchez, son entraîneur, est très adroit dans les gros handicaps, et s'il est supplémenté, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, King Rob. Avec le 2 dans les stalles de départ et l'aide d'Hugo Boutin, il aura logiquement de nombreux fans. En cas de non partant, le numéro 9, Madous, piloté par Ronan Thomas, aura elle aussi quelques fans et introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Turf Sélection s'illustre encore une fois en donnant le tiercé dans le désordre de plus de 700 € lors d'une course pourtant bien difficile à déchiffrer. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.